Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Chocmel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un burger, allez, on va dire spécial enfant. Il y a du bœuf, il y a du fromage fondu, il y a des cornichons, du bacon. Vous allez voir que c'est simple et c'est délicieux. Toutes les étapes en vidéo. On commence cette recette en préparant les steaks hachés. Donc vous les faites griller des deux côtés avec du sel et du poivre. Vous ajoutez le fromage sur la fin de la cuisson, vous éteignez le feu et là le fromage va fondre tout seul. Vous réservez ensuite quand c'est fondu. On continue en préparant le bacon, donc pareil, vous prenez des grandes tranches si possible de bacon, bien dodues, bien épaisses. Vous les faites griller des deux côtés et vous le réservez. Ensuite, vous toastez les buns. Alors là, c'est des buns façon brasserie, on en trouve un peu partout maintenant dans les supermarchés, mais vous pouvez prendre des buns classiques. Vous les faites griller si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais moi j'adore quand c'est bien grillé. Vous ajoutez ensuite de la sauce au poivre, des feuilles d'épinards fraîches. On continue avec les rondelles de tomates, le bacon, le steak haché avec le fromage qui a bien fondu, les grandes tranches de cornichons. On continue en y ajoutant de l'oignon rouge finement ciselé. Alors il faut savoir que l'oignon rouge est beaucoup plus doux que le jaune, contrairement à ce qu'on peut croire par rapport à sa couleur. C'est traître. En fait, voilà, le rouge est plus doux, donc c'est plus sympa dans le burger si vous le mangez cru. Donc vous ajoutez les petits oignons rouges, on ajoute encore une tranche de bacon. Voilà, donc ensuite vous refermez votre pain et là le burger est prêt à déguster. Donc vous pouvez le manger avec des frites, avec des légumes, une salade composée, tout ce qui vous fait plaisir. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook en cherchant Chocmiel, à me suivre sur Twitter en cherchant Chocmiel Cooking. Vous pouvez aussi commenter, bien sûr, liker ma vidéo et aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.